La lutte contre le réchauffement climatique et le Covid-19 sont au programme du sommet du G20 qui se tient ce week-end dans la capitale italienne. C'est le premier sommet en personne des grandes puissances depuis la pandémie de Covid. Les leaders russes, chinois et japonais font toutefois exception et ne participent que virtuellement au sommet de Rome. L'Italie espère obtenir la confirmation des chefs d'État et de gouvernement sur les engagements de leur pays pour le climat. À la veille du sommet, le secrétaire général des Nations Unies a par ailleurs lancé un appel à aider davantage les pays pauvres à vacciner leur population contre le Covid. Des manifestations sont prévues tout le week-end. Les rassemblements sont lancés notamment à l'appel de mouvements de défense de l'environnement et de militants opposés au pass sanitaire. L'Italie a déployé plus de 5300 policiers supplémentaires pour bloquer toute intrusion à l'intérieur du quartier de l'Eure, au sud de Rome, là où se déroule le G20.